Yo, c'est Sarx. Bon, aujourd'hui, on va se faire du VMAX Limax, hein. On a une revanche à prendre. J'avais commandé trois petites box. J'ai dit bien trois. Et bon, voilà. Je vais vous expliquer ça après parce que y a des choses à dire. Alors, je peux pas rester dans le silence. Je vais vous le dire. Voilà. Du coup, eh bien, on va s'ouvrir ça et on va s'ouvrir ça tout de suite. Bon, nous revoilà sur la petite box de VMAX Climax et oui, bon, il faut que je vous le dise, j'ai commandé trois box de VMAX Climax et malheureusement, je me suis dit, bah, c'était hier, j'ai ouvert la box et je l'ai filmé et je me disais, oui, allez, voilà, ça va être bien et il se trouve que j'ai réussi l'exploit de faire le troisième tirage identique. Sur VMAX Climax, il y a quand même 70 cartes, hein. Ça fait qu'il y a à peu près une chance sur 393 000 que ça arrive, hein. Voilà, donc les probas sont assez faibles et pourtant bah, j'ai défié les probas, hein. Il y avait quand même largement plus de chances que j'ai comment dire, un God Pack que cette situation m'arrive, voilà, hein. Donc je suis assez petit peu salé, voilà, un petit peu salé, mais on va essayer de rattraper ça et je vais ouvrir les deux box tout de suite pour éviter, parce que moi je me connais, moi sinon je vais me dire oui mais enfin je vais psychoter en me disant que ça va encore m'arriver et tout. Donc là on va briser la malédiction, parce que là c'est vraiment une malédiction, hein. Y a pas d'autres mots à dire là, parce que là ça c'est chaud, là c'est chaud, là vraiment. Trois fois le même tirage quand même, trois fois le même tirage. Bon, j'ai quand même eu quelques V et une VMAX de Mimiki. Ouais, d'ailleurs, la VMAX de Mimiki que j'avais pas. Mais bon, c'est les trois mêmes CHR, c'est la même CSR que l'opening d'avant et que l'opening d'avant encore. Donc, dur. Voilà, donc on va passer direct sur le premier booster. Voilà, on va tout de suite l'ouvrir. Et on va espérer, parce que là, il n'y a plus que ça, hein, l'espoir. C'est vraiment, même encore à l'heure actuelle. Ouais, j'ai envie d'y croire encore. J'ai envie d'y croire encore. Voilà, je vous le dis. J'ai envie d'y croire encore. Et là, ce qu'il faudrait, c'est un God Pack. Hein. Vraiment, sinon, je serais pas content. Hein. Personnellement, voilà. Je mets la barre haut, mais en même temps, la barre a déjà été mise assez haute et pas par moi. Donc, bon, voilà. Petit Skeledox, le petit Salamèche, voilà. Ah, j'adore cette illustration. Voilà, Yunishida, vraiment. Excellent, excellente cette illustration. La petite cape de Tarak chez Rose. Nous avons une énergie vélocité, je crois. La première, bah justement, Tarak en premier holo. Est-ce qu'on va avoir? Non, on aura une deuxième holo qui n'est autre que un magnifique Dardanian. Voilà, Dardanian qui est dans Reine de Glace et il est dans. Je me souviens plus. Dans Matchless Fighter, je crois. Vraiment très très beau ce Dardanian. Pour une fois, on a une très belle holo de lui. Et ah oui, oh j'y crois pas, oh j'y crois pas, oui, enfin, bon c'est une carte de Pikachu, c'est l'une des cartes qui vaut, enfin c'est l'une des CSR qui vaut le plus cher, enfin, ah là vraiment ça se voit pas mais j'ai envie de pleurer, je pleure intérieurement, hein, voilà. Enfin, une bonne carte, c'est incroyable. Est-ce qu'on va avoir une box à 4 CHR? C'est vraiment la question qu'on se pose. Oui, et je sais c'est quoi, je l'ai vu. C'est Charmeleon. Non, c'est Lona, j'ai cru. Avec le rose en bas, j'ai fait, c'est Charmeleon. Mais non, oui, nous avons brisé la malédiction, nous avons brisé la malédiction, ça fait plaisir, voilà. Bon, ces petites cartes-là, je vais les mettre de côté, je vais prendre les sleeves, hein, petite coupure. Et voilà, j'ai pu me procurer les petites sleeves, voilà. Bon, Pikachu, voilà. Oh, je suis libéré. Il y a tellement un poids qui s'est libéré là. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Parce que là, genre, avoir trois fois le même tirage, vraiment, j'étais dans un désarroi total. Il y a pas de mots. Et vraiment, il n'y a pas de mots. Et notre petite MILF, la MILF Lona, voilà. Moi aussi, je l'aime bien cette MILF. Hein, voilà, Aniki. Voilà. Voilà, bon. Les gens vont comprendre de quoi je parle. Du coup, bon, c'était pour ce booster qui est fort chargé. Et du coup, une box à 4 CHR.
Ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Une box à 4 CHR. Et du coup, on va essayer de savoir est-ce qu'on va avoir une foulard trainer. Voilà. Une foulard trainer. On peut aussi avoir un god pack de foulard trainer. Ça serait magique. Là, ça serait magique. Là, on aurait brisé la malédiction comme il faut. Mais bon, on va peut-être pas trop non plus en demander. Voilà. Bon, je suis spoil. Il y a une VMAX. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un style que j'ai pas vu. Du coup. Bon. Monsieur Glaquette, Larvadar, une urne vitalité. C'est je ne sais plus, c'est une énergie psychique, donc la détermination de Cornelia. J'essaie de me rappeler quand même des noms des cartes en français, voilà. Le petit Seriflore, très très beau ce Seriflore, mais on l'a déjà, on a déjà pratiquement toutes les holos, donc à part Hyporoi, je sais de mémoire il y a Hyporoi qu'on n'a pas et je ne sais plus, voilà. Noctunoir qui est une très très belle holo. Et on aura Elector, je crois qu'on l'a. Bon, c'est pas grave, ça fait de matière à échange, hein, voilà, tout simplement. Et on va avoir un petit Evoli. Oh, petit Evoli en prisme, là, ça c'est vraiment très très cool. Donc oui, voilà. Donc, c'est un souhait de... Je ne vais pas couper, comme je fais d'habitude, et revenir sur le prochain booster. Oui, j'ai envie de vous mettre un truc un peu plus brut, parce que... Comme ça, on a un peu plus le temps de parler, voilà. Même si ça reste en commentaire, on a le temps de parler. Et c'est moins contraignant pour moi, voilà. Genre, vraiment, parce que c'est quand même du travail, hein. Le montage, faut s'en rendre compte quand même. Faut le faire pour s'en rendre compte, d'ailleurs, au passage. C'est vrai que c'est énormément de travail. Et bon, bah là, ça va me soulager. Et puis, au moins, on peut parler tranquillement, justement. Je voulais savoir, voilà, parce que là, moi, en ce moment, bah, ce qui me fait plaisir, c'est du VMAX Limax. Et j'ai deux énergies métal, j'ai cru qu'on avait eu trois énergies métal, ça aurait été incroyable, mais bon. Hop, voilà, voilà, c'est bon. Du coup, ouais, en ce moment, VMAX, Limax, c'est vraiment le set que j'ai envie de compléter pour 2022 avec style de combat, je ne l'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, normalement, c'est le mois prochain. Style de combat et VMAX, Limax, c'est vraiment des sets que j'adore, voilà, tout simplement, et que j'adorerais compléter cette année, vous. C'est quoi votre set? C'est quoi votre objectif de collection pour cette année? Voilà, ça, mais dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-le moi en commentaire. Je serais curieux de savoir. Parce que c'est vrai que. Il y a quand même des dingueries qui vont arriver là prochainement. Donc, on va voir. On va voir. Bon. On va. Un petit. J'ai oublié le nom. Pomme Drapi. Voilà. J'ai bugué, excusez-moi. Pomme Drapi, est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Non, on aura un Belle de Neige, on l'a déjà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Un gros Kachou? Oui, bon, moi, j'aime bien le gros Kachou, voilà. On a encore un gros Kachou, on l'a déjà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, une corde de sortie, je l'ai déjà. La corde de sortie en prisme. Voilà, bon, la petite prisme, je vais la mettre là, voilà, tac. Et on va passer au booster suivant. Là, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc là, j'ai encore 3 minutes, là. Bon... Est-ce qu'on va l'avoir, cette trainer? C'est vraiment la question que là je me pose, en tout cas moi personnellement. Est-ce qu'on va avoir cette trainer? Une petite énergie herbe là qui est vraiment très très belle. Le petit Pyroli. Je suis pas sûr qu'on l'ait celle-là. C'est Bec à glaçon, voilà. Archéomir, la canne ordinaire. Chermi, je ne peux plus te voir. Les gants qu'on a eu, que j'ai eu la dernière fois. D'ailleurs, on a complété pas mal les traîneurs. Vous verrez quand on passera sur le classeur. Et là, on a eu le petit. Pardon, le petit Chifours de style point final. Je vais y arriver. Oui, voilà. Style. Oh. Bon, on a une trainer, mais c'est pas la plus belle. Jean-Chil et Jean-Targe, bon, celle-là, vous pouviez la garder, hein. Bon, il la faut, hein, malheureusement. Et ça reste une trainer, mais j'ai eu les plus... J'ai vraiment pas eu les... J'ai pas eu vraiment... Je vais y arriver. J'ai vraiment pas eu les plus belles trainers. C'est incroyable, j'ai pas de chance. Bon, bah, c'est comme ça. Mais au moins, ça fait quand même une trainer. Et ça va avancer la collection, donc c'est le principal. Et on a eu Blitz the Ball. Bon, celui-là, on l'a déjà. Et on terminera avec petite énergie métallisée en prisme, voilà. Bon, allez, booster suivant. Bon, ça, là, vraiment, je vous le dis... Libéré, délivré de cette malédiction qui m'a suivi bien trop. Parce que j'aimerais bien quand même le terminer, ce set, il est quand même magnifique. Donc
Bon voilà, on va essayer de pas s'en priver. Le petit Free Sony, un multi-outil, une énergie, point, je ne sais pas. Aldo, Okiri, j'adore cette illustration, hein, style de combat oblige forcément. On a Cobalchum, j'aime moins cette illustration, elle fait un peu vide, voilà. On va avoir, Zeraora, on n'a pas Zeraora. Voilà, c'est bien, parfait, on complète, c'est bien, et on va avoir un petit cryptéro, voilà, en prisme, boum, allez, on enchaîne un peu, et effectivement, oui, voilà, donc, bon, on arrive à la moitié, et oui, on va reprendre les bonnes habitudes, parce que, bon, c'est vrai qu'on s'est un petit peu relâché, et on va essayer de reprendre les bonnes habitudes, donc, si, eh bien, vous aimez la vidéo, n'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait toujours plaisir, et c'est bien ce qu'on veut voir, et forcément, si vous n'êtes pas abonné et que vous venez de découvrir la chaîne, bah, abonnez-vous, vous verrez de belles ouvertures. J'ai envie de vous dire, le pire est passé, donc, vous ne verrez que des belles ouvertures à partir de maintenant, j'ose espérer. Tarsal, bon, Morpheo, je ne sais plus, Galam, ça c'est une double énergie incolore, mais je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Momartic, Tauros, et on aura Mimiki, qu'on a déjà, je crois, et, ça c'est une belle petite prisme, là. Oh, ça c'est bien. Moi j'aime bien la Voltali. Belle petite prise. Celle-là, je la garderai de côté. Bon, on va terminer. Et on a eu qu'une seule CHR. Incroyable. On a eu qu'une seule CHR. Bah dis donc. L'opening n'est pas encore terminé. C'est incroyable ça. Bon, une énergie. Je veux dire spectre. Psy. Je vais y arriver. J'ai un peu du mal à me remettre de ces émotions. Voilà. Morpheo, Blitzy, Malos, Degant, Migalos, qui était l'une des Unco qui me manquait encore, mais qu'on a eu, que j'ai eu, l'opening un peu foireux, voilà, un petit plaisir, voilà, Flora, donc là c'est Demolos, on aura, c'est Lesarius, je me trompe tout le temps, oh, celle-là on l'avait pas. Un petit Scolossandre V-Maxu, voilà, le Scolossandre V-Maxu, et voilà, voilà, mais c'est ça qu'on veut, des CHR qu'on n'avait pas avant, voilà, oh là là, ça fait bizarre de voir d'autres CHR entre les mains, je préfère vous le dire, parce que j'avais l'habitude de voir tout le temps les mêmes choses, donc, voilà, c'est la vidéo de la joie pour moi, hein, genre, oh. Oh, parce que là, bon après de toute façon je pense, hein, de toute façon vous le verrez, je vais essayer de faire les deux vidéos d'affilée pour après normalement faire un petit post d'échange, voilà, parce que bah, il faut le compléter, voilà, donc le post d'échange arrivera assez vite, parce que bah du coup j'ai pas mal de choses à échanger, pas mal de CHR, voilà. Petite énergie, c'est éventail houleux. On a un Élector d'Akira Egawa, le meilleur. Bon, ah, c'est. Et ça fait toujours plaisir de l'avoir hein, quand même. On aura après Astronel. Je crois pas que je l'avais encore. Et on aura. Oh, celui-là, on l'avait pas de Chifourse, mais on a eu l'autre Chifourse en 1000 points, mais on l'a eu en double. C'est un petit peu dommage. Et on va avoir un petit Spiritomb, voilà, en prisme. Et on arrive quand même lentement, mais sûrement, hein, à la fin de l'opening. On est à l'avant-dernier booster. Voilà, l'avant-dernier booster. Bon. Oh, ça fait plaisir. C'est un peu dommage. Hein, c'est vrai que je me rappelle, mais au dernier opening, on a eu Meloetric. Ah, voilà. Forcément là, quand j'ai cité le Pokémon, il y en a un, il a dû faire une grimace. Hein. Voilà. On a eu Meloetric et bon, c'est un peu dommage, vous aurez pas ma réaction sur ça. Hein, parce que bah oui, la vidéo ne sortira pas parce que bah. Voilà, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de me voir tirer les mêmes cartes et de ruminer pendant 20 minutes. C'est vraiment pas plaisant. Bon du coup, voilà, donc là c'est Sephora. Je me trompe tout le temps sur cette carte, c'est incroyable. Hein. Tour des ténèbres, Cresselia Zaroud qu'on a eu juste avant. On aura Noctali qu'on a déjà. Et. Oulala, celle-là, en vrai, on est quand même. Ah là on s'est fait ralasse, hein. On s'est fait ralasse là sur les CHR là, je vais le dire. Branette, c'est Gardevoir et Belle de Neige.
C'est des belles CHR. On a, bon, toujours pas Dracaufeu, qui est belle aussi d'ailleurs au passage. Et du coup, tac tac tac, on va mettre ça comme ça. Bon, il nous reste un dernier booster, mais sur le dernier booster, il n'y a pas grand chose. Peut-être une V en plus. Je regarde un petit peu. Non, non, dans le dernier booster, il n'y a rien. Mais bon, c'est jamais. On n'est jamais à l'abri. Parce que le nombre de V et de Vmax est assez, assez fluctuant. Donc on va voir, ça se trouve, on a peut-être une belle surprise hein, dans ce dernier booster. Ah, j'adore cette illustration d'Aquali. Voilà, je pose là quand même un petit peu pour vous dire que cette illustration d'Aquali est vraiment magnifique. Voilà, genre, je me souviens la première fois que je l'ai vue dans Vmax Limax, je me suis arrêté dessus, j'ai fait j'ai bugué. Tellement elle est vraiment sublime, sublime celle-là. Bon, on va quand même terminer. Vert pomme, le petit Quatermac, exploratrice, le Voltali, une énergie herbe, et on aura Ixon de Galar. Ixon de Galar, et ou bah. Parfait, le Hyporoi qui nous manquait, ça fait plaisir. Petit Hyporoi qui manquait, on aura du Ralugon, voilà, bon, j'aurais préféré l'avoir en CHR, bien évidemment. Mais bon, il est là, le du Ralugon, toujours là. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était une box à 4 CHR. Et on aura donc, eh bien, Ixon avec Peterson. Ouais, c'est une belle carte, bon, c'est pas la plus belle encore, mais... C'est des cartes c'est une carte qui n'est pas Octillery et qui n'est pas Migalos, qui n'est pas Charmilly, donc je prends. Voilà, hein, je prends. Si c'est pas ces trois-là, je prends. Bon, du coup, eh bien, on aura eu quand même des petites cartes et on va mettre ça direct dans la collection. Bon, nous revoilà sur le classeur et... Bon, on a complété quand même un petit peu pas mal. Voilà, le fameux Melocric, hein, notre Anicric national, voilà. Et donc, comme je disais, on a un peu complété. Là ça commence à ressembler à quelque chose, hein, voilà. Malgré les petites CHR en double, on commence à avoir un petit pattern, hein, voilà. Non, vraiment, ça se complète plutôt bien. Il nous reste encore une box, donc on a encore pas mal de choses à avoir. Et surtout pas mal de choses pour échanger, surtout ça pour pouvoir compléter les petits trous, voilà, toujours ces petits trous. Ouais, non, vraiment, je suis plutôt fier. C'est vrai que je pensais pas qu'on allait compléter le set de base aussi rapidement, voilà. Mais c'est le cas, donc bah, tant mieux. Ici, on a vraiment, voilà, ça fait du bien, même si c'est des cartes traîneurs. C'est plaisant de voir une double page terminée quand même, hein. Ça, on va pas se le cacher. Du coup, voilà, la fameuse double page bien terminée comme il faut. Il manque deux petites énergies, l'énergie feu et l'énergie métal, je crois. Et sinon, bah, c'est tout, voilà. Donc là, on va quand même enfin passer sur les CHR qui sont différents cette fois-ci. Oui, je tiens encore à le préciser. D'ailleurs, oui, non, c'est vrai, je regarde sur le côté et je voulais montrer aussi un petit truc parce que... C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le fléau sur cette série. Ce sont les fameux print lines. Et là, sur ce Pikachu, il a vraiment pas été, il a vraiment pas été épargné, ce Pikachu. Comme disait quelqu'un, on peut limite jouer au Morpion dessus. Alors je sais pas si ça se verra bien parce que là, je les vois pas tout de suite. Là, on en voit une. Il y en a une là et une là. Ah, oh, c'est horrible. Horrible, hein, vraiment. Alors, je sais pas si on les verra bien. Ah, voilà, là, on la voit, là. Celle-là, on la voit. Oh, c'est horrible. Vraiment, il y avait trois print lines sur la carte. J'ai fait, ah ouais, c'est chaud, là. Autant une, pourquoi pas, mais là, il y en a trois, là. Hein. Bon, voilà, bref. C'était le petit coup de gueule sur les cartes, parce que c'est vrai que je remarque pas forcément les print lines dessus, mais là... Quand même, c'était notable, hein, voilà. Donc du coup, on va commencer. On va commencer avec, eh ben justement, la Milf Lona avec son magnifique Belle de Neige, voilà, qu'on va mettre à côté du Octillery qu'on a en 3 exemplaires. Voilà, ah ouais, je veux encore le dire, c'est incroyable, mais les probabilités sont extrêmement faibles, hein, voilà, je le dis encore une fois. On enchaînera direct avec, tac. Le petit garde-voir avec, s'il te plaît, focus, voilà. Le petit garde-voir qui est une très belle illustration, je trouve, avec un chirurgien. Genre, c'est médecin, ah, je ne sais plus. Mais ça, c'est dans l'épée et bouclier, voilà. Il nous donne d'ailleurs la bicyclette. Voilà, petite trivia intéressante. Hein. Qu'est-ce que fait un chirurgien avec une bicyclette? Pourquoi pas?
enfin du moins avec un, c'est un motis, un motis, une moticyclette, voilà, je cherchais le mot. Bon, allez, page suivante, on continue, là, boum, le petit branette, voilà, petit branette, fort, fort bien, là, avec ce petit effet de mouvement, là, vraiment très classe. Bon, il va se retrouver ici, le petit branette, bon, ah là, bon, ça, c'est, il reste encore pas mal de trous ici, mais... ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et pour la dernière CHR, qui est en plus une box à 4 CHR, ça, ça fait plaisir. 4 CHR, une trainer, voilà. Là, pour une fois, la box a été gentille avec moi. Hein, voilà. Bon, on n'a pas encore eu de God Pack, peut-être dans le dernier, allez savoir. Mais revenons à notre opening d'aujourd'hui. Et on a un magnifique Ixon, voilà, avec Peterson, vraiment... Voilà, bon, c'est pas les meilleurs CHR qu'on a eu, mais c'est quand même de magnifiques CHR, il faudra le dire. Voilà, on va pas faire les mauvaises langues non plus. Et on va passer à la CSR. Oh, c'est bien, parce que là justement, la CSR que j'ai eue en double, c'est Nabil. Voilà, alors, elle est pas trop mal, elle est correcte, mais... c'est pas celle que je voulais, hein, voilà, surtout pas une double, voilà. Non, nous, on a bien mieux, on a, voilà, le petit Pikachu avec Red, voilà, bon. C'est une belle carte, hein, voilà, c'est une belle carte, c'est Pikachu, c'est une carte en plus qui vaut cher, qui vaut plus cher que les autres. Ça fait plaisir, enfin, d'être récompensé, après quelques box, quelques doubles. Mais je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé parce que elle ne se trouve pas là. Ouais, elle se trouve pas là. Bon, je me suis trompé. On va un petit peu rectifier le tir. Bon, y a un petit problème. Je crois qu'il y a un petit problème de compte. Voilà, je referai ça comme il faut. Parce que là, je crois que je me suis gouré dans les CHR. Bon, c'est pas très grave dans les CSR. Je vais remettre ça au propre pour le prochain épisode, voilà, parce que là, c'est n'importe quoi. Hein, c'est n'importe quoi, je vais rectifier ça. Bon, et on va terminer forcément avec la dernière carte, voilà. Bon, c'est pas forcément... voilà, le focus, s'il te plaît, merci, voilà. C'est pas forcément celle qu'on veut, mais... force est de constater, même si les personnages ne sont pas forcément les plus appréciés, hein. Jean Épée et Jean Targe, là, voilà. Allez, stylé. En vrai, elle est stylée, c'est incroyable, les personnages ne le sont pas, mais la Flore Trainer est vraiment très belle, je trouve, voilà. Bon, c'est ce qui va conclure eh bien, notre épisode de VMAX Climax, qui aura été différent des autres, voilà. Et du coup, eh bien, on passe direct à l'outro. Bon, voilà qui termine notre épisode sur VMAX Climax. Il nous restera donc eh bien, encore un épisode de VMAX Climax, et après je pense que je m'arrêterai, hein, quand même 5 displays, je pense que c'est pas mal. Après on prendra à Unity et on cherchera à faire des échanges, bien évidemment, voilà, on a quand même pas mal de choses à faire, hein, donc bon, on va essayer de le compléter comme il faut et comme il se doit, et je ne sais pas si on renchaînera avec du VMAX Climax. Oh si, on va renchaîner avec du VMAX Climax direct la semaine prochaine, et après on ouvrira un truc un petit peu différent, voilà, je voulais tester encore un autre TCG, je sais, je vous ennuie un petit peu avec ça, mais j'ai réellement envie d'ouvrir autre chose que Pokémon, et donc du coup, bah, j'essaie de trouver le TCG qui manquait un peu à ma vie, donc on va tester un autre TCG. Que j'ai déjà un petit peu teasé, donc vous le saurez. Voilà, très prochainement. Sur ce, eh bien, je vous remercie eh bien, d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss.